Salut à tous mes chers amis geeks et geekettes, bienvenue pour un nouvel All This Games TV. Nous allons continuer notre partie de Wing Commander Prophecy. Et oui. Il est temps, on a pris un petit peu de retard parce que nous avons joué durant le mois d'août à Mega Man Maverick Hunter X. Comme l'a demandé il y a à peu près deux semaines Eric Panier qui m'a dit « Quand reviendras-tu sur Wing Commander Prophecy ?» Eh bien voilà, c'est parti. Nous allons continuer notre partie. D'ailleurs, désolé de répondre aux commentaires un peu plus tard, avec un peu de retard, on va dire. Parce que, comme j'ai les deux chaînes, parfois les commentaires arrivent, et comme je ne suis pas connecté sur la chaîne All This Games TV, eh bien, je ne les vois pas. Donc, autant que je me mette dessus, mais voilà, de toute façon, je les lis, et j'y réponds, mais parfois avec un petit peu de retard, et je m'en excuse. Vous inquiétez pas pour les suites de jeu, elles arrivent. Voilà, quand il y a un let's play de prévu, si je le fais, je le fais jusqu'au bout. Faut vraiment qu'il y ait quelque chose pour que je ne le fasse pas. Voilà, Wing Commander Prophecy, on va le continuer, il n'y a pas de souci. Là, on va le faire maintenant, et on va continuer aussi Mega Man Maverick Hunter X. On est quasiment à la fin, et en live, il faut aussi qu'on fasse Dino Crisis. Mais là, ce sera encore un peu plus tard, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qu'il faut qu'on enregistre sans être en live. Voilà, tout simplement. Donc là, petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé. Vous vous souvenez, les Kilirati ont été attaqués par une race extraterrestre appelée Néphiline qui viennent d'une de leurs prophéties. Du coup, on était avec le TCS Midway dans le secteur, on est parti pour les aider. Résultat de tout ça, les Néphilines nous attaquent aussi. Casey, le héros, a la responsabilité, on va dire, de l'escadre, de notre escadre. Il est monté en grade assez rapidement. Résultat, il a encouragé les troupes, comme Dallas, qui n'était pas très motivé. Il l'a encouragé, ça s'est bien passé, mais il a fini par mourir. Du coup, il est dégoûté. Heureusement, Blair lui a remonté le moral, après une bagarre avec Maniac. Et du coup, il a une mission avec Blair, on va aller réactiver une station orbitale confédérée pour envoyer un SOS. On va avec Blair, on va avec le Commodore Blair, donc Mark Hamill, c'est génial, on est enthousiaste à mort. Et le Commodore Blair se fait capturer par les Néphilines. Résultat, le pauvre Casey, il est vraiment là, il est dégoûté. Je veux dire, c'est bon, ça va maintenant, stop, ça suffit. Et on en était là, on est maintenant dans la station, il faut qu'on fasse le retour vers le Midway en expliquant que Colonel Blair a été capturé. Voilà. Allez, on continue. Juste pour revenir sur ce que j'ai sur le let's play, il n'y a qu'un seul let's play que j'ai pas continué parce que c'était assez compliqué de poursuivre. On en reparlera si vous voulez. C'était la 11e heure. Voilà, j'ai fait 3 vidéos dessus et j'ai pas été plus loin. C'est assez compliqué, peut-être que je vous en reparlerai si ça vous intéresse. Voilà, allez, on continue la partie. Et donc nous voici dans la station orbitale en question. Il va falloir qu'on reparte et qu'on aille, qu'on retourne vers le Midway. Même si à mon avis, les Néphilines ne nous laisseront pas partir comme ça. Alors évidemment, c'est donc Decker qui a atterri dans la station, Blair l'a rejoint et apparemment c'est un véritable carnage à la station. C'est pour ça que les communications étaient coupées. C'est parti. Bad news, Lieutenant. More enemy inbound, and that's not all. Not a word from the Midway. Our alien buddies are scrambling all the key frequencies, and the short focus transmitters can't step over their signal. It doesn't stop there. The main relay transmitter's still inoperative. We can't send a wake-up call to Confed. You gotta keep the bad boys busy until we can get this baby online, all right? Do it. Bon, voilà. Clairement, c'est la merde. Donc on y retourne. La station est toujours en panne, on peut plus communiquer avec le Midway, et des tas de méchants arrivent, et eux, ils doivent s'occuper de la station. J'espère que je vais pas perdre. Allez, on y va. Alors, je rappelle que dans une version avec des modes haute définition, pour pouvoir je joue avec des meilleurs graphismes et même les vidéos sont en 1080p. Voilà, les renforts arrivent. Je croyais qu'ils pouvaient pas communiquer.
pas envie de gaspiller mes missiles tout de suite. Et voilà, oulala, 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 qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, 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 on va utiliser les missiles là. Ah, super, c'est des. Je vais mourir. Je vais mourir. Ah. Bien. Ah, c'est des missiles, ils sont pénibles. Hein. Mais qu'est-ce qui me pourchasse comme ça? Arrête de m'aider parce que là je me fais défoncer. Faut que je change de missile mais je peux pas parce que je me fais poutrer. Ah, j'ai changé de missile. Il est toujours en vie. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ah mais là, y a un problème. Il peut être aussi balèze l'ennemi là. C'est un truc de fou. Pourquoi je me fais poutrer comme ça en 2-2? Concentré, je parle plus trop. C'est hallucinant ce qui vient de se passer. Je me suis fait défoncer, mon avion est jaune. Il est jaune pisse. Voilà. Alors comme vous avez vu, et mon bouclier revient pas, c'est dingue ça. Voilà. Ah bah quand même. That's the last of the base. Hey, where's your wingman anyhow? Blair didn't go AWOL, did he? Seems we had some sort of close encounter, Major. Blair's been abducted. Me and the boys are done securing the station though, and the transmitter's online. I'll fill you in back at the midway. Ça y est, c'est réparé. I think we got them all. Let's get in line, folks. Light on. Alpha 1 requesting landing clearance. This is truly a tragic day for the Confederation. Mr. Casey, Mr. Decker, your courage will not be forgotten. Ah bah là, j'ai pas compris ce qui s'est passé parce que je me suis fait défoncer, il a fallu, vous avez vu, je sais pas combien de missiles pour détruire l'ennemi, je sais pas, c'est bizarre. Est-ce que j'ai plus l'habitude? Ça y est, j'ai pas joué depuis un moment. J'ai perdu l'habitude? Pas possible, pas de Yukang là. ...80%, ça va. Qu'est-ce qu'elle va me dire, Rachel? I thought you should know. The captain has recommended you be transferred to the Black Widow Squadron and promoted to first lieutenant. I don't deserve it, sir. I'm sorry, lieutenant? I said I don't deserve it. And why is that exactly? Blair? No, Blair knew the risks. Your team takes that same risk every time you go out there. There was nothing else you could have done, nothing. Thanks to you and Blair. The relay transmitter has been repaired, and we've sent a warning to Confed HQ. Now, Mr. Casey, what I want you to do is stow your gear and head to Pilot Country. You need a break. It's either that or medical. That's an order.
please. Just take one of those right there. That's for you, Cap. That's for you, Lisa. Go right ahead. And there you go. Enjoy. Let's just top that off for me. Hey! Casey! There he is, my little boy. Making his mama maestro so proud. Why? Why? Obviously, you haven't heard. We've been promoted to the highest coveted Black Widow Squadron. Yes! Oh, it's the litter. Estelita, who cares? She's probably on a pack of ice somewhere. She's not our boss anymore. Rachel. Rachel, yes. Hey, guys. Good to see you. How are you? Would you like a drink? I would love one. Here you go. Thank you. Join the celebration? Well, to good friends. To very good friends. Yes. Meister, do you mind if I borrow Casey for a little while? Enjoy. Come on. No, I don't get it. I'm a great guy, you know. I'm the best pilot in Confed. People look up to me. So tell me this. Why is it I can never get the girl? I mean, do some guys have all the luck, or is it just me? It's you. What? Kind of a backwards kind of... Chief? Sorry to interrupt. The CAG would like your analysis of the spy eye data that came in from Talon Meth. Just when things were getting interesting. All right, I'm on it. All right. Thanks. Spy eye data? Yeah. From the probes that we launched into the nearby systems in our sector. They're our eyes and our ears right now. Well, can I help? No, you're sweet. Besides, you should stay with your friends tonight. There'll be another time. I'm proud of you, Flyboy. You know what? Here, bottle's on me. I'll see you later. Thanks. Alors désolé, du coup, comme les vidéos sont en 1080p, que le jeu est passé en 1080p, il y a des gros problèmes avec les sous-titres. Vous avez vu, les sous-titres vont beaucoup trop vite. À un moment donné, elle a dit « please », le CAG a dit « please » à Casey, et ça a été traduit, « compris ». Alors qu'elle disait s'il vous plaît, il y a pas mal de... Et puis les sous-titres vont beaucoup trop vite, j'espère que ça va vous débrouiller un petit peu en anglais, parce que là les sous-titres allaient beaucoup trop vite par rapport aux phrases. Bon, moi je connais le jeu par cœur, donc ça va, mais bon ben désolé, je peux pas faire autrement avec cette version du jeu, sinon ça aurait été une version DVD moins jolie, ou la version CD. Allez, on continue. Ben voilà, mission directe. Please come in and get seated. All right, then. Let's go over your mission objectives. En renseignement limité, ont révélé que la planète Kilarati, alloy, située dans le système Tlanmet, subit un blocus ennemi, d'accord. Un capteur, empêchant ainsi. Oh, ça a été trop vite. All wings, with the exception of Alpha and Bravo, will be deployed to assist Eloy's defenders. D'accord, on a porté assistance. Meanwhile, Alpha and Bravo wings will perform a sweep of balayage sur l'astéroïde, d'accord, prochain afin d'essayer de localiser le brouilleur. On cherche un brouilleur alien, ok. You are to locate and identify the broadcast source so that it can be recovered for examination. On me dit pas que...
Le balayage approché du capteur sera nécessaire pour identifier la cible. Waouh, me dis pas qu'il va falloir. D'accord. Eliminating this jammer and restoring the midway sensors to full operating status is of the utmost. Oh, and one more thing. Major Marshall. Present. Major, you are now in command of the Black Widow Squadron. I expect your Bravo wing to provide backup for Alpha. Yes, sir. You're dismissed. What's the problem, Major? After all these years, to finally have my own squadron. To be in control? Yeah. To be in command? Yeah. To be the one they string up when your squadron screws the pooch on a mission? Yeah. 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 Hey, wait a minute! Allez, on passe au décollage. Hey Ace, betcha I can find that buoy before you do. Sacré maniaque. Il est terrible. Alors, changer de missile tout de suite, hein. Je veux pas vos missiles moisis, là. Par contre, l'avion là, je l'adore. Il est super stylé, je trouve. Ouah, déjà direct. Looks like we're heading for the Hornet's Nest. Donc Maniac passe enfin chef d'escadre. Ça devient un Wing Commander. Et j'adore. Encountering light enemy presence at nav 3. D'être sérieux. Situation normal. Par contre le vaisseau paraît un peu léger pour Oh non, ça va. J'ai rien dit. Il fait mal. Il est ici. Ah ouais, les lasers du vaisseau font très mal. C'est excellent. Si vous voulez voir la démo de Wing Commander 4 Remastered, j'ai fait une vidéo sur ma page, ma chaîne YouTube DRJTube. Vous pouvez aller voir. Il y a la démo qui est sortie, vous pouvez. Yeah. Vous pouvez le tester même, hein. Vous allez taper sur Google Wing Commander 4 Remake ou Wing Commander 4 Remastered, vous le trouverez tout de suite. Bon. Et vous pourrez télécharger les CD. Et ce Wing Commander 4 là, en version Remastered, je préférerais le faire sur mon autre chaîne, sur les jeux récents. Histoire de faire découvrir. Et à d'autres personnes, Wing Commander 4. À des gens qui sont peut-être pas forcément fans de rétro gaming, mais qui puissent découvrir le jeu. Ils ont fait un sacré boulot, vraiment. Vraiment. Heads up, Casey. We've got an anomalous reading back at nav 3. Can't pin it down. You might want to check it out on your way through there. We're heading back. Ok, donc il me dit d'être prudent. Il devient respectueux, Maniac, là d'un coup. Il a la pression parce que. Wow, heads up, Casey, we've got company. T'inquiète. I read enemy ships. Ah. Scanners picking up multiple unknowns in the asteroid field. One of them might be our jammer. Hey, Plebe, I thought you guys cleared this place out. It's crawling with bugs. Time to see who's got it and who doesn't. Je sais déjà quelle va être la prochaine mission. Je sais à peu près où on est dans le jeu normalement. J'adore cet avion. Qu'est-ce qu'il est terrible. Oh, de Dieu. Wow.
On va essayer de pas se prendre un astéroïde, ça serait moche. Putain. Tiens, hop, j'ai pas envie de me faire chier. Ah, les Manta là, ils sont sacrément. Sacrément costauds. Hein. Bien sûr que je te destroy avec grand plaisir. Ceux-là ils sont tout bêtes. Hein. Paf, il m'a pété à la gueule. J'adore. Ah, graphiquement, c'était une sacrée avancée, hein, une Commander Prophecy. Hein. Une Commander 4, graphiquement, à l'époque, il ressemblait beaucoup au 3 dans les combats, je parle. Hein. Voilà, parfait, un petit ménage. Ah bah ça se passe beaucoup mieux que tout à l'heure. Alors le brouilleur est où? Il y a un des astéroïdes qui est le brouilleur, c'est ça? Ah, on a un petit défaut graphique là, oui. Attendez voir. Est-ce que par hasard on a rien? Là on a rien. On a quelque chose pour scanner Parce que après j'aurais plus de fil. Eh là. Le voilà. C'est ça qu'il faut détruire? Ok, il y en a partout, ah ouais! D'accord, tous les petits points gris là. C'est des brouilleurs à détruire. Wow, il y en a à ce point là? Wow, la vache! Ah, j'ai fait une connerie? This zone is clear. Mission failed. So much for this mission. Let's split. Ah, j'ai fait une connerie. Qu'est-ce que j'ai loupé? Faut d'abord qu'on comprenne qu'est-ce que j'ai loupé. Donc, nous revoilà de même stat tout à l'heure. Et donc, il faut faire quelque chose avec ces brouilleurs. Et je ne sais plus c'est quoi. Les identifier, je sais pas comment. Voilà, ici, ah voilà, ok. Il va falloir tous les localiser. Là on a la cible et ensuite on fait quoi? Parce qu'ils sont censés envoyer quelqu'un, hein. Voilà, on a les trucs, c'est cool. Est-ce qu'il faut lancer une analyse plus approfondie? Attends, on va approcher l'autre. Ça, c'était marqué, il y avait eu marqué quelque chose, j'ai pas le temps de lire trop vite. Ah, et donc ah bah voilà. Bon, c'est tout ce qu'il fallait faire. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait faire. Je vous l'ai pas dit, mais tout à l'heure, j'ai failli me faire poutrer. Hein. J'ai refait la mission,
parce que Alpha 1 requesting landing clearance. Nice flying, Lieutenant. You're cleared to land. Comme c'était indiqué que j'avais perdu, j'ai refait la mission et je suis retrouvé face à l'ennemi et il m'a défoncé. J'étais en mode fallait que je m'éjecte. Bon, j'ai recommencé deux fois. Pénible. Mais c'est réussi. Parfait. C'était tout simple, fallait juste looker la cible et les deux cibles. Great job. The Iceman would have been proud. Ok, petite conversation avec Hawk. Donc là, vous avez vu au début la vidéo qualité DVD et ensuite, quand il a fini l'ordinateur, la qualité HD. Avec la qualité DVD, on n'a pas de soucis de sous-titres. Par contre, quoi que l'on sait, même pas la qualité DVD, c'est la qualité CD. C'est la qualité CD, mais c'est moins joli, mais il n'y a pas de problème de sous-titres. Mais bon, je préférais faire plus joli avec les petits problèmes de sous-titres. Bref, allez, conversation avec Hawk. What's up with Major Happy Feet over there? Beta flight got cut up pretty good out there. One of them didn't come back. Anyone we know? How's life on the edge, Mr. Squadron Commander? I heard you lost one of your adoring fans. I've got a good pilot MIA, and I come back to this. Does the SAR have a line on your pilot? No. He ejected into the asteroids. There's no sign of him. And the CAG. The CAG's pulled my boys off rotation to get a straight eight. That includes me, so I can't even go out and look for my own guy. It gets better. Word is, the aliens are scooping up every pilot they can get their hands on from wherever. I bet they're not serving them milk and cookies. What's that smell? What? Is that me? Some stinks. It's not me. I'll tell you what it is, Major. It's the plebe that's going out into the asteroids to save your wingman. Je savais que c'était la mission là, c'est pas la classe, on va aller sauver son pilote. Eh oui, Maniac, il a perdu un pilote. J'autorise ceci à contre-cœur. On a une chance à ce gars. Escorter la navette de SAR, vous comprenez la navette. Une fois là-bas, vous aiderez à localiser et à sauver le pilote qui s'est éjecté. Voilà, on va aller sauver le bonhomme. Par contre, il me semble que c'est pas du tout évident. C'est parti, il va falloir escorter, il va falloir éviter qu'elle se fasse détruire et je crois qu'il va y avoir un paquet de monstres. Un paquet de méchants. Allez, c'est parti. Déjà là, ça cartonne. We've got his ID signal, but it's pretty weak. Stand by. Ça canarde déjà, ils sont super loin, regarde-moi ça. Les salauds. Cease fire, we are not armed. Je me rappelle, c'est pour ça que c'est la galère, parce qu'en fait, ils t'identifient, les premières cibles qui te look, elles sont vachement loin. C'est ça, c'est assez tendu. Occupez-vous de moi, laissez. Tiens, hop, j'ai pas le temps.
Ah putain, encore une Devil Rays. Ils sont compliqués ceux-là. Laisse la navette tranquille, occupe-toi de moi. Viens faire la bagarre avec moi. Let's see how tough you bugs are. Je crois qu'elle a déjà pris pas mal de dégâts la navette. Aïe aïe. Saloperie. Ils l'ont. On a réussi ou on a perdu? J'ai pas bien vu en fait. Ah, l'autre, elle a essayé de capturer le pilote, c'est elle que j'aurais dû réussir à... Ah, l'a eu ou pas? Oh, l'a eu. Et... On a réussi. L'autre avion ennemi était sur ça qu'il s'est échappé. Il était là pour capturer le pilote avant nous. On a eu du bol quand même. J'avais oublié ça. On a réussi. Parfait. Comment ça, invulnérabilité utilisée? Qu'est-ce qu'il me raconte? Je peux utiliser la vulnérabilité? Bon, faudra que je regarde ça. Tout à l'heure, peut-être que je l'ai mis, parce que comme j'ai perdu pas mal, je vous ai dit, pour être sûr de finir la mission, j'ai dû la mettre pour achever la mission là avec les trucs à scanner. Mais là, j'avais pas mis. Bon, ben bref, on va regarder ça. Pretty sick flying, Ace. I'm sure he's glad to be home. Looks like you're getting quite a reputation around here. Chief, never a moment's rest. Chief, here, I'm on my way. Good flying. Eh ben. Elle draguait Blair dans Wing Commander 3, elle drague Casey dans Wing Commander Prophecy. C'est son rôle en fait dans Wing Commander. Bon, mais y a pas de conversation. Mission. Tactical has compiled a new set of mission data for us. Let's review them. Let's do it. Quand c'est découvert d'un système de codage contenu dans le brouilleur, d'accord, votre département de sciences, obtenez des renseignements précieux concernant les opérations aliens dans ce système. Parfait. Enemy forces have captured the Kilrathi Starbase at Dula 7 and converted it to an advanced staging base for their fleet. Punaise. A significant portion of that fleet occupies a position between the Midway and the Starbase. On va faire le ménage avant de voir. Confed HQ can respond to our distress message. We must continue to gather as much information as possible. To do so, an SWAX will be deployed to perform a more encore thorough scan. Oh, c'est chiant ça. Your Alpha Wing will conduct a standard 3-point patrol with orders to engage and destroy any enemy ships encountered and prevent. Ah, ça va être chiant. Encore une escorte. On va analyser le système. C'est pénible ces missions là. When your patrol is complete, return to the Midway. Time is short. Go to it. Dismissed. Dismissed. Ah, ça va être relou. Ça sera la dernière, je pense. Nothing like a nice, quiet patrol. Ah, tu crois ça, toi? Tu rêves. Allez, c'est parti. It's a festival of bugs. Festival des insectes. On va pas bouffer les missiles tout de suite parce qu'on risque d'avoir des ennemis plus balèzes tout à l'heure. Hey. Non, je peux pas lire ce qui est marqué. Franchement, je vais me concentrer sur ces sales bestioles. Et paf, voilà, terminé, l'affaire elle est réglée. On
plus, je suis avec Maestro, il est très très fort Maestro. Hein. Là, je vais voler son kill comme on dit. Parce que c'est lui qui l'avait pas mal amoché. Ah oh, putain c'est... Ah c'est maintenant que ça commence, super. Il n'y avait pas d'escorte tout à l'heure. C'est maintenant que la chiasse commence. Oh, qu'est-ce qu'il tire dessus? D'où ça tire pour lui? C'est lui. J'avais pas trouvé tout de suite, il faut les perturber pour qu'ils lâchent leur cible. Oh non, ça. Oh putain, ça c'est violent ça. Oh, il a poutré à de nos hommes. Mais bien comme il faut, hein. Je crois que c'était la navette, mais non, c'était autre. Mais il a balancé tout ce qu'il avait. Il fait très mal. C'est lui qui a failli me tuer tout à l'heure, que j'ai dû recommencer la mission encore une fois. Quand il est rassemblé, il fait très très mal. Alors, ils sont un tout petit, ça va. Faut aller plus vite, faudrait que j'arrête d'attendre l'animation de fin, la communication, et passer directement à votre cible. Voilà. Voilà, on avance. C'est parti. J'espère qu'on va pas perdre dans cette mission, ça me ferait chier. Parce que je déteste les missions d'escorte. Surtout dans ce jeu. Il y en a une qui est particulièrement chiante quand on va arriver à celle-là. Ça va être terrible, c'est presque à la fin du jeu. On va devoir éviter des missiles. Yeah, come on. Je parle très mal anglais, faites pas attention. Ouais, come on, ça veut rien dire du tout. Oh, je sais pas. Brian in the kitchen. Voilà. Where is Brian? Tiens, paf! Qu'est-ce que tu me tires dans l'eau pendant que j'attaque ton copain, toi? Le gentil qui passe devant, il a failli se prendre du laser. Voilà, c'est bien. Parfait. Oui, il y a une mission dans le Midway. Il faut qu'on intercepte des missiles avant qu'ils arrivent sur le Midway. Et c'est très compliqué parce qu'ils sont super... Parfait. Constat, je vais rentrer dedans. T'as arrêté de me rentrer dedans. Attends, j'aimerais savoir où est... là, ah oui, voilà, il est jaune. Hein. Il s'en est pris quand même plein la gueule. C'est pas grave, c'est une réussite. C'est une mission accomplie. Great job. The Iceman would have been proud. ...67% de performance, c'est nul. Et là, il me dit pas que j'ai la vulnérabilité. Bon, bref. Alors, je pense qu'il y a des petits bugs.
J'hésite à faire encore une dernière mission. Ah, je pense qu'on va en faire encore une dernière, comme ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de mission. On va juste faire la conversation avec... Même pas. Ah, ils font de la figuration, en fait. Tu peux même pas cliquer pour faire une conversation. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Et il y a un truc qui me fait rigoler aussi, c'est que par rapport à l'époque où on jouait avec le CD, on avait... Le CD a changé. Et là, je sais pas où on est dans le jeu. Par rapport au CD, je veux dire, ça c'est le début, moitié du jeu. Et puis, la fin du jeu. Eh ben... Là, on sait pas trop. Il faut se repérer à la musique. Chaque CD a sa propre musique pendant les missions et pendant les... Et pendant les combats, etc. Allez, on va faire encore une mission parce que là... On n'a pas de conversation hein, du tout. La petite dernière avant la fin. Thanks to new recon... Thanks to new reconnaissance data, Tactical is now certain that a large enemy fleet is massing in this system. Undoubtedly, their prime target will be the Midway. Reports indicate the enemy hasn't spotted us yet, so we may have the element of surprise on our side. Let's get to work. Eh ben, dis donc, ils sont en train de préparer une attaque massive. Après, oh là 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 là, va falloir qu'on les détruise avant. Ah là, c'est une mission chaud patate, vous allez voir. Va falloir détruire les méga transporteurs. Frapper les gros porteurs de la flotte, ben oui, ben forcément. C'est bien ce que je dis. Pas mal, je marche. Ah, ça va. Ah, c'était trop vite. Ah, avec des killer ratis en plus. Your Alpha Wing will lead the actual assault with support from Charlie, Delta, and Echo Wings. Proceed through Nav 1 and 2, allowing the diversion time to take effect. Une fois arrivé au point 3, engagez vos cibles principales, un gros porteur allié. Ça va trop vite, putain! Les cibles principales. Mais putain, j'ai pas... je suis arrivé à Douave. Mais j'ai plus rien. When your mission is completed, return to the Midway. Now, I suspect what I'm about to say will rub some of you the wrong way. The squadron you're rendezvousing with is from one of the feudal planets of the Kirathi Empire, manned by the Tagabrin clan. Oh, great. Now we're flying with the cult of Sivar? Why don't we just dig up Tolwyn while we're at it? Sir, you can't be serious. Those religious zealots have been raiding our colonies ever since we knew Kilra. They'd love to have another crack at us. And that'll be quite enough out of you both. Unless you'd like to do your belly aching in the brig. Look around you. We don't have the luxury of picking and choosing our allies right now. We either work with the cats or we die. Is that understood? Do it. Dismissed. Ah oui, bah voilà, j'ai le méga transporteur, donc oui, il va falloir attaquer les méga vaisseaux. Ça va être tendu. Ça va être méga tendu. Parce que, évidemment, alors les bombardiers, c'est des camions, hein, je dis toujours. Par contre... Rien. Faut aller ensemble, ça c'est les torpilles, je crois. Ça c'est des mines, ça c'est quoi? Je sais plus. Pour Supine M. Il y avait des missiles, il me semble, pour en détruire. Bref, on va voir, on va voir. On va essayer de s'en sortir. On va essayer de s'en sortir. Donc là, je... Des messages. You can do all the dying you want, furball. Donc j'avais oublié qu'en fait les Killer Attila, c'est une secte qui apparemment attaque
la confède malgré la paix. Et on est obligé de s'allier avec eux. Ça aurait pu être... Aïe. Il y a un truc orange, il y a un méga vaisseau. Hein. Ouf. Ça aurait été tellement bien qu'ils puissent creuser un peu plus l'histoire, qu'il y ait une version française, etc. On va attaquer l'espèce de gros suppositoire là. Waouh, 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 qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Aïe, aïe, aïe. Pourquoi il faut si mal? C'est une blague. J'ai un bombardier, il peut pas faire aussi mal, quoi. Putain la vache, qu'est-ce que tu veux que je pilote ce gros bazar, là? J'ai déjà pris cher, qu'est-ce que... Alors, un kilirati en moins. Et un kilirati de moins, hein? Ah vache, attends, on va détruire le suppositoire si je peux. Putain, si je reste sur le suppo, il m'attaque, putain! C'est nimp! Aïe! J'ai bien entendu kiss my ass, bug! Embrasse mon cul! C'est marrant, mais ce n'est pas traduit. La moitié des textes, la moitié des phrases sont pas traduites en plus. Putain, ça va être chaud quand on va arriver face au méga transporteur, au gros vaisseau. Oh la vache, regarde ça, ce gameplay, cette jouabilité du camion. Après c'est réaliste, attention, hein, je critique pas le jeu. Hein. C'est un vaisseau méga lourd, hein, donc c'est logique que ça fasse ça. Mais alors, punaise. C'est vraiment relou. Ouais, je t'en prie, vous êtes... Avec Kirati, là, vous étiez à 5 contre un tout petit bonhomme. Là. Aïe, aïe, aïe. Yeah. Ah putain, ça va être tendu. Il est énervé, lui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de bouclier? Ah, on va s'occuper de ça au premier. Ah bah voilà. Allez, c'est parti. Yeah, yeah. Voilà, c'est tendu. Oh non, c'est vraiment... Ah là là, c'est insupportable pour eux. Et puis il y a plein de méchants, ça va être très complexe. Il n'y a rien qui se détruit. J'ai beau appuyer, il n'y a rien qui se détruit. Bon bah on va faire autre chose alors en attendant. J'espère vraiment ne pas perdre, ça va me prendre la tête. Parce que là j'ai plus de bouclier. À l'avant, j'ai plus de bouclier, c'est... Ah, vache!
Ça va lui balancer un peu de missile dans le cul. Et en attendant, les Killer Atis s'occupent des gros vaisseaux. Ah, la musique est terrible. Hein. Je crois qu'il a lassé des chasseurs encore. Hein. Waouh! Et en moins. Et voilà, un en moins. Et l'autre, c'est lequel qui reste? Ah, c'est le plus gros qui reste en plus. Hein. Waouh, waouh, waouh. On va éviter de se faire... Tiens! Il me semblait qu'il y avait des missiles spéciales pour les éléments du vaisseau, mais je sais plus. Aïe, 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 ah non! Bon, allez, tiens, missile dans ton cul. Je comprends pas pourquoi il y a des vaisseaux, les mêmes, hein. Parfois ils sont... ils se détruisent en 2-2, et parfois il faut, je sais pas, quand même, missiles, des trucs pour les abattre. C'est... Ah, crève. Crève. Et voilà. C'est gagné. Alors, c'est pas moi qui ai fait le travail, hein. Mais les vaisseaux sont détruits. Et vous avez vu, je me suis approché du vaisseau, j'ai tenté hein, de détruire les tourelles et tout, je passe rien. Je veux dire, le pont, je tirais dessus et puis bouclier, c'était absolument pas indiqué que je le touchais. Normalement, la couleur, elle change. Mais bon, c'est pas grave, on l'a niqué. C'est parfait. Deux méga transporteurs en main. Eh, c'est pénible. Hein. Firestorm, c'est pour des... Ah, j'en reviens à Firestorm. Je suis con. Ben voilà. J'aurais dû envoyer une torpille sur le pont. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Ils ont fait le boulot et... Et c'est très bien. Et c'est très bien. Oh putain, c'est pas fini. Eh, voyez un peu les missions comme elles sont longues par rapport à... Aux autres Wing Commander. Par contre là, je commence à être fatigué moi. Oh putain, c'est des espèces de dumpfire. Putain, qu'est-ce qu'ils sont balèzes, mais comment que ça se fait, putain. Mais chiotte. On est tous sur lui, c'est un truc de dingue. Not scratch. Putain, ils sont super loin. Sérieusement. J'ai presque plus de carburant. Allez, allez.
Oh là là, c'est un enfer avec le bombardier, un enfer. Ça c'est pénible, mettez pas autant de petits chasseurs à la con avec un avion aussi gros quoi. Je sais pas si vous avez remarqué, mais lors de la dernière mission là, que j'avais le petit avion bleu là, qui était super sympa, super cool. Je tirais deux fois, c'était fini, là j'arrête pas. Piou, 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 et ça les détruit pas. Ils s'en prennent pas la gueule, mais ils explosent pas. Alors que c'est censé être un bombardier, c'est censé être plus puissant qu'un petit chasseur, quoi. C'est un chasseur, voilà, très lourd, quoi. Oh, fatigué. Yeah. Looks like my crew will have their hands full today. Try to bring your ship back in one piece next time. Yeah, sorry. You're up late. I thought our pilots needed their beauty sleep. I've given up sleep. How long have you been up? 72 hours, maybe. You can't keep doing that to yourself. Sooner or later, it's going to affect your work, not to mention your health. So what makes you burn the midnight oil? Well, now that we found a way to cut through the alien jamming, we finally made contact with the cats on Eloy. And what I found was very strange. It seems that after the capital city of Eloy was attacked and destroyed, most of the Kilrathi disappeared. Disappeared? You mean were killed? No, I mean disappeared. Apparently, the aliens took a great many prisoners. Thousands. The few who remained sent me a data bundle on the alien craft. I'm processing that now, but... But what? As soon as I uploaded the data, I lost all contact with the Kilrathi. All the systems checked out. They're just not there. It's almost as if... As if the Eloy had been consumed. Like in the Kilrathi prophecy. Et voilà. Alors, voilà, ce passage hallucinant. C'était terrible, c'était terrible. Bon, eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Voilà, je vais quitter le jeu. On aura une conversation avec Hawk. On commencera par une conversation. Je vais quand même sauvegarder. Quand même. On va pas faire les cons. Je sais pas combien de points d'interrogation. Où est Blair ?
C'est la grande question qu'on se pose. Ça va, là, comment ça se fait pas partie. Et voilà, c'était Wing Commander Prophecy, je fais tomber le téléphone, sur PC. On a poursuivi notre petit let's play. Alors, la bestiole que vous voyez derrière, je l'ai pas dit là, mais... Là-haut, voilà. Là, la peluche, c'est... J'ai mis pour faire style. Parce qu'en fait, elle doit être recoudre, elle doit être... On doit la recoudre. C'est... Les coccinelles dans Pikmin, celle qui bouffe les Pikmin, voilà, je l'ai mis là. Je me dis, tiens, je vais la mettre, ça va faire rigolo. Voilà, elle est là. Ah, un mordu. Bref. En tout cas, ça va avec l'ambiance, hein, ça pourrait être ça dans les vaisseaux. Voilà, c'était Wing Commander Prophecy. Donc je disais, j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo. On a continué notre petit let's play. On a fait une vidéo qui va être quand même assez longue, hein, parce qu'on a fait pas mal de missions. Il y a évidemment pas mal de vidéos. Alors, j'enlève le casque, tiens. Il y a un petit défaut que je trouve dans ce Wing Commander Prophecy. Enfin, il y a pas mal de défauts dans ce Wing Commander Prophecy, c'est dommage. Mais là, elle explique. Ils ont pu rentrer en contact avec les Kilarati, la capitale a été détruite, il y a... Putain, montrez-le. Si vous aviez fait l'effort, c'est une question de budget, je sais pas, mais de montrer que la capitale a été rasée en même temps qu'elle parle, tu vois, qu'ils ont été détruits, je sais pas, là, la planète tout entière a été détruite apparemment par les Néphilines. Pareil, faut le voir, putain, au lieu de le raconter. C'est dommage. J'en avais déjà parlé d'ailleurs de ça, mais bon, voilà, sinon, il a rêvé aussi, il a eu une vision du Commodore Blair, hein, qui se fait torturer. Et si vous avez regardé Adventure G The Web Series sur mon autre chaîne YouTube, on voit ce passage dans la web série, je l'ai mis, quand Vorax kidnappe, Vorax torture les gens, et j'ai mis cette image. À un moment donné, Dr. G fait un rêve, justement, comme dans une prophétie. Mes inspirations viennent de là, en fait. Hein. Doctor Who, une prophétie, la vie qu'on leur tout court, je veux dire, d'ailleurs. Voilà. C'est ça, les inspirations, entre autres, qui sont bien, mais ça aurait pu être tellement mieux à l'époque. C'est dommage, c'est pour ça qu'ils ont pas fait, ils peuvent pas faire un remaster de la prophétie. Ils ont pas été assez loin. Même si, on peut pas dans remaster de la prophétie, parce qu'il y a plein de modes, énormément de modes. Voilà, mais écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, dites le pour toutes les vidéos. Maintenant, je commence un petit peu à patiner le concept là. Et puis, je crois que c'est la quatrième vidéo du Commodore Prophecy, un peu plus loin, un peu plus long.